contre, je vais rechercher à manger parce que je vais finir par. Ah, yes. C'est vrai, parce que je l'ai volé tout à manger à bord tout à l'heure. C'est pour ça. Ah, t'es tout nu apparemment. Ah bon? Ouais. Apparemment, t'as pas voulu. Ah, c'est bon. Ah, nickel. Ça, c'est la magie. C'est ça. Ah, il est où le chien? C'est toi le chien? Ouais, il y a Jérémy qui s'est réveillé. Ah, ça marche. Il s'est réveillé dans l'armoire. Ça marche. Sinon, si j'entends un chien d'un coup. J'ai un peu bugué au début, je me dis pourquoi il y a un chien, genre. C'est Jérémy. D'accord, ça marche. Très bien. Capricieux Jérémy. Eh ben, je propose. Un petit feu comme enfin une petite sortie en équipe enfin en... FPT PTEI ouais yes. Alors juste petite question, les fonctionnalités que je vois en bas du coup 110 dispatch, c'est là où il y a tous les appels je présume du coup et après ça c'est pour les objets à côté si jamais pour faire un balisage, c'est ça je présume. Après le balisage en général on utilise enfin, ouais les métiers quoi, le téléphone quoi, ça marche bien. Ah oui ouais, vous l'avez sur le téléphone des plots, ça va plus vite ouais. Ouais. Ouais, on a l'habitude de. Ouais, je regardais. Oh, respect sergent. Respect repos. Ah oui, c'est vrai. Ça va le pas? Ça va et toi? Ben voilà, ah, du coup, vous pouvez mettre la magnifique tenue rouge. Ça va passer. Tenue rouge du pompier. Bonjour. Bonjour. La tenue rouge. Celle là. Je vais prendre le sac. Bien vous le pain. Ok, si. Je peux pas conduire, mais. Ça va. Allez, salut. Oh, voilà, vas-y. C'est bon. Vous plaisez? Je conduire mon casque. Ah, grave, bah, moi je m'amuse, hein, franchement. Oui, tu as passé un casque jaune ou F3 ou... F3. Bah F3 du coup. Le F3 comme tu peux. Le F3 il est où? Là. Vous me le mettez pas maintenant, tranquille. Ah oui. Ça marche. Bon. J'ai galéré à le trouver parce qu'il avait pas une forme de KX dans le truc, bref. Oui, oui, c'est... Oui. Pas toujours facile des fois. L'habitude. Ah, toujours poser des questions. Il y a un civil qui arrive, c'est bon, il casse la tête là. Bonjour, mais je suis infirmier. Bonsoir. Aspect que prend l'enfant. Il arrive, il fait son relou là. Pose 56 questions là, il juge tout. C'est ça. Oh, il y a des beaux véhicules, il est sorti. Je viens d'arriver sur place, je regarde la caméra, je confirme, je vois une boucle de feu partir dans la forêt. T'appelles comment lui? Boucle de feu. On monte. Allez, go, moi je monte aussi. Ah bah moi je suis à l'arrière, encore une fois, la place enfant. Nickel. Attends, je vais aller si j'en ai réveillé ça. Avec le qui prend le pain ainsi que Monsieur Petulski, on prendra affectation en FPT et FPT armé disponible pour un départ en direction. Je vais mater le film. C'est compliqué aujourd'hui. Miami, vas-y, ça marche, mais bon film à toi. C'est compliqué. Là, ça fait bizarre, j'ai entendu mon nom à la radio. C'est bizarre. Waouh. On s'appelle pompier, on entend ma radio, c'est bizarre quand même. Pour c'est bien, comme ça vous entendez tout ce qui se passe aussi à côté. Ah bah j'ai les deux, j'ai la 90 du coup. La réserve naturelle. Du coup on change de fréquence ou pas du coup? Oh non, on peut... si on va changer de fréquence. Fréquence. FPT 01 du coup. T'as FPT 01, c'est moi qui le dis. Eh heureusement que je suis là hein. Non, oui, non, c'est... Je suis fatigué là, oui. T'as appelé 90. Suivez, merci. Ah là c'est bon. C'est où, c'est quoi l'ancienne réserve naturelle? Et la petite ville en face de l'aéroport Eden. La petite ville en face de l'aéroport. En face du commissariat? De la forêt? Je savais même pas qu'il y avait une ville. Ah oui, ça là! Je savais même pas que c'était une sorte de ville. Ça. Ouais, ouais, c'est bon, ouais, j'ai vu, j'étais là justement. Ça a changé il y a pas longtemps, ils ont fait des travaux de BTP là-bas. Ouais, bah oui, justement, tu vois, tu le fais bien de me le dire parce que je savais même pas qu'il y avait un truc ici. C'est ouais, pour c'est... dire. C'est bien là-bas, c'est sympa. Ah là, faut prendre large, attention. Hein. Ah oui, ça c'est un beau paquebot. Encore ça va, c'est pas le CCFS. Oui, oui. On a pire. Ouais. Oh, le CCFS, je t'expliquerai plus tard, mais insupportable. Tada. On commence à commémoriser. FPT dans le coup. Ah. On se mettait. Ah, pour information, je vais essayer de vous placer un point approximatif de la veille en feu. Aussi, merci. Une veille en feu. J'ai ouais, le qui est parti en. C'est pour ça qu'il faudra le casque. Je vais plus aller vers la ville. Ouais, mais je vais voir en fonction de. Du point. Ouais.
point. Je vais dire ce qu'il faut. Alors moi, du coup, je ne vois pas le point. Ok. Ouais, donc celle-là, c'est un point pour Monsieur Batoleski, du coup. Ok. Ouais, rapidement, moi. Ok, c'est bon, tu peux enlever, c'est bon. C'est... Je vais le laisser comme ça, au moins, on voit bien. Ouais, je vais mettre un petit marqueur comme ça. Ouais. Vous pouvez mettre votre casque, du coup. Très bien, je mets mon casque. Le casque chrome. F3 chrome. Alors, si ça veut pas. Ouais, j'attendrai à l'arrêt, ouais. Non, sinon, vous le mettez dans le véhicule et vous le ressortez. Enfin, vous le remettez après sur la tête. Ça marche. Parfois, c'est un peu capricieux. C'est... rusé. C'est ça. Nickel. Toi, je le récupère, ça, moi, quand même. Hop. Cette ruse. Ah oui, du coup, c'est ce casque-là. Ouais. Et le beau casque avec la visière, là. Ouais, ouais, effectivement. Je crois que ce casque, je l'avais essayé quand j'avais fait... quand il y avait eu, je crois, le 14 juillet, je crois que c'était. Il était pas encore le 14 juillet, on les avait pas encore reçus. À mon avis, c'était pendant les journées portes ouvertes, justement, l'EPA ou un truc comme ça. Non, alors, c'est pas celui-là que j'ai vu. Je sais que j'avais testé un casque, je crois que c'était au 14 juillet vraiment, où il y avait tous les véhicules qu'on pouvait voir quand j'étais monté à l'échelle, mais ça devait pas être ça. Et où la VL ? Elle est normalement sur la propriété de... ici, attends. Elle doit être à droite, non ? Vas-y, je... Ok, ouais, elle est là, attends, deux secondes, bouge pas. Moi, je la vois pas. T'es trop sûr. Courte, tac. Ah oui, je la vois. Elle est à droite, là. Je crois au niveau des rochers. La fille, ouais, voilà, c'est... Ouais. Ah oui, c'est bon, je la vois. En fait, c'était pas la voiture que je voyais. C'est bon, là j'ai encore plus vu. Moi bon, je pensais qu'il y avait un truc sur le rocher en fait. Parfait, tu fais le sas le bas ? Oui, attends, je mets juste ma tenue. On va vous montrer, du coup, on fait un sas quand on arrive comme ça sur intervention. Oh, c'est tout beau, tout ce qu'il y a, dis donc. Chrome. Et déjà, du coup, prendre le masque aéri qui est dans le camion. Faut prendre le masque. Faire une tête, faire une tête de cosmonaute. Que disent de ce que pas à l'avoir, attends. Nous présentons sur les lieux, confirmant une VL en feu, on se met en place. Suivi, mais ce sera le plus dit. Ah ouais, je suis sexy là, comme ça, franchement. Ah, tout sexy. Tout. Oui, ça fait seulement une petite. Voilà. Ça s'est fait. Hop, je donc venez avec moi, je vais vous montrer. Ah, je suis. J'ouvre la porte. On met la... Ouais. Vous mettez bien votre sac invisible ici. On va mettre le sac invisible ici. Ouais, ouais. Vous le mettez là parce que si, en fait, si on le met dans le FPT, il disparaît. Donc je l'ai posé là. Voilà, parfait. Et du coup, vous pouvez prendre l'aéri dans le camion. Dans le camion ? Tout en bas, ouais. Ok, tout en bas. L'aéri. Voilà, aéri. Oh, je me verrai là-dedans. C'est bon, j'ai. Voilà. Ok. Parfait. Bah, du coup, vous allez pouvoir tenir la lance. Hein, le caporal va rester derrière vous. Très bien. La fameuse lance. Voilà, je vous laisse dans le véhicule. Ouais, je te laisse regarder à l'intérieur. Je prends la lance incendie. Incendie, ouais. Ok. Hop, et ensuite, attends, tu prends les sources d'eau. Ah, sources d'eau. C'est où ? C'est un tout petit peu, c'est au-dessus des aéries, au-dessus de la fumigène. Au-dessus de la fumigène. Je le vois pas. Bonjour. Bonjour. Je sais pas ce qui se passait, c'est tout. Ah oui, sur ce dossier. Une VL en feu juste là à côté dans la forêt, du coup. La VL dans quoi dans le commissariat et la finit. Ouais. J'ai mangé. Ok, pas de soucis. Bon, moi je vais m'occuper de baliser. Ça prend beaucoup. Baliser, vérifier qu'il n'y a pas d'animaux qui s'approchent. Vous pouvez regarder un peu. Bah, être sûr qu'il n'y a pas d'animaux qui s'approchent. Sans vous approcher trop. 15 euros, c'est bien. Vérifier la cabane de chasse derrière, que c'est tout. On va justement voir pour protéger tout ça. Ok, merci. Dis quand t'es bon. Ouais, j'en prends quelques-uns encore et prenez-vous. Pas de soucis. J'en ai 15 normalement. C'est bon. Nickel, je vais juste hop. Ouvre ta lance, histoire de chasser l'air, je vais ouvrir la pompe, tac. Très bien. Et ouais, mettre un petit coup. Hop, voilà, un petit coup de lance. Ok, l'air sort, c'est bon. Hop, vas-y, tu peux refermer. Voilà. On va y aller. Hop. Nickel. On se met accroupi. Hop. Voilà, on commence à y aller. Très bien. Certes, j'ai le patin. Pardon, vas-y quoi. Certes, j'ai le patin. On se mettait. Commençons l'attaque du feu. Faites attention, il y a une cabane de chasse à l'arrière-plan marquée sur carte, il faudrait au privilège la protéger si possible. C'est sûr. Je vais donc vous mettre du côté nord du feu afin d'attaquer vers le sud. Hop, on va aller voir la cabane. Tu peux commencer à arroser si tu veux, n'hésite pas. Très bien. Hop. La cabane.
Elle est plus à gauche la cabane apparemment. Ah ouais, je vois la cabane, ok. On va rester au niveau de là, on est pas mal. Histoire juste que ça se propage pas dessus. Ouais, cool, je me jette de l'eau comme ça. Voilà. Éviter la propagation. Yes, yes. Ah, mais là. Ça revient quand même souvent ici, hein, de rien. Ouais. Des décos, c'est moi qui ai capté. Oui, il y a le dragon dessus. Ah, ok. Hop. Faites pas à droite, c'est de la fumée. Oui. Ouais. Et puis, il continue de s'étendre. Le vent a l'air calme. Proche du matin, ça va être un peu humide. On commence à faire un peu à droite parce que ça commence à bien se propager. Yes, vas-y, pas de soucis. On prochain un petit peu doucement. Pas trop près non plus, on va éviter de cramer avec les autres véhicules. Ouais, il fait chaud là. Ouf. Ah oui, ça c'est sûr. Là, on sent bien la chaleur. Ça repose bien aussi. Ça brûle partout là, c'est horrible. Ah, c'est la partie complexe. Là, si tu veux le réorienter un peu plus à gauche, ouais, vraiment la base de ton foyer est vraiment beaucoup plus. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous deux, messieurs. C'est exactement ce que j'avais prévu de faire. On arrive à la fin de l'eau là. Yes. On va mettre un coup. VSRL. Tac, on a plus d'eau. Vas-y, R, enfin muscle R. Ouais, pour, ouais. Voilà. Ouais, je pense la truc. On a l'élan, elle déconne un peu. Hop, on il y a une propagation à la gauche pour éviter que la cabane. Ouais. Ouah, c'est chaud. Ah, c'est. On va supporter un peu de chaleur. Voilà, on est encore loin, mais plus de 50 ans, je sais plus, ouais. Ah oui, elle est là, la cabane, elle est en train de la capter. Calme-toi, cabane. Il faut surtout la protéger, parce qu'il y a le garde-chasse que je viens voir. Ça va. Dès que ça brûle. Hop. Parti voir s'il n'y avait pas d'animaux en danger ou en difficulté sur les corsets. Voilà. Mmh. Le 10 de dragon. Il a l'habitude d'être un dragon, je pense. Est-ce qu'il serait possible d'être un dragon si... Non, pas trop. Mais tu vois, il y a des soirs où... Ouais, il y a des soirs, t'as plus l'habitude d'être dans un truc que d'autres. Ah, c'est bon, ça commence à arrêter. On va reprendre vers là-bas, parce que ça frotte toujours là-bas. Calme-toi, feu, là-bas, t'es trop bien. Oula, attention. Oula. Oh, l'effet de surprise, là. Ça commence à se propager, là. Il a failli m'avoir le feu à gauche. Hein. Si tu veux savoir aussi pour une veille en feu, en gros on attaque 3 quarts face. D'accord. En gros tu te mets devant, dans l'angle entre le feu et le côté. Ouais. Pour bien l'attaquer et pour bien la refroidir et éteindre le feu, tu fais au passage des roues. Feu, hein. Ah bah là. Clairement ça devient marron là, c'est pas bon. Hein. Oh, c'est chaud. Ah ouais. Je sens que je commence à arriver à la fin, donc je la change.
Hop, allez, on change. Nouvelle. Et on est reparti. Allez, éteins-toi là. Ah, c'est vrai qu'il faut bien prendre le feu parce que sinon après. Si je propage trop partout. Doucement quand même, il y a du feu. J'ai envie de finir dans un. Dans un fourneau là. Encore ça va, on est à l'extérieur quoi, mais. Oui. Est après, on a les bonnes tenues donc franchement. Ouais. Ça va être bien. Oula! Ça grimpe un peu à droite là. Ah, ça s'est décalé. Éteins-toi, feu. Ah, la VL qui reprend. C'est jamais fini. Concentration. Suite à la demande du FPT, je vois un petit troupeau de sangliers qui m'ont l'air blessé à côté du feu. Oula. Oh mais oui. Ah c'est sûr, j'ai effectué. Oula. On va dire que c'est normal vu que personne panique. Deux. Tu vois, j'ai entendu comme une balle qui m'a frôlé. Ah, t'inquiète, ça c'est les, la lance. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Vu que personne n'a paniqué, c'est ce que je me suis dit que c'était normal, entre guillemets. Ah, du coup, ils ont trouvé un. Des sangliers. Ouais, des sangliers. Je pense que comme Lima. Alors, vous avez ma... Oula, oula, calme-toi à droite. On t'aimerait pas là. Hein. T'arrêtes, c'est pas pour que tu te reprennes. Hein. Donc on s'est être vers notre véhicule là, c'est pas bon. C'est en arrivé un peu tard et c'est sec. Encore là, ça va. Enfin, c'est le moment. On est que 3. Là, on est que 3, mais sinon on aurait un bas de 2. Pourquoi pas un bal et. Voilà la quoi. Fin du troisième pack. Ça va très vite quand ça les lance. Ouais. Allez, hop, on le change. Tac. Heureusement que le FPT est alimenté quoi. Oui, c'est vrai, parce que franchement, c'est vrai que ça. De toute façon, il y a des réserves. Hein. Ouais, après, il n'y a pas grand chose non plus. Il y a quoi 4 mètres cubes. Je pense. Hein. C'est ça pour FPT. J'ai eu le voir. Technique. Ça va, c'est lié. Il y a un poteau incendie qui est relié. On a de la réserve. Ça a été retravaillé il y a pas longtemps et à dire qu'il est repassé. Donc. Oui. On a eu le temps de remettre des poteaux. Si, essayez d'aller un peu vers le sud pour arroser dans l'autre sens. C'est bien mouillé déjà au nord, donc normalement faut que ça reprenne. Voilà, ça reprend au sud. Calme-toi le feu, ça va bien se passer. Ah, pour que je pense incendier si je veux pas tomber moi, je pense. Hop. Tac. J'ai pris un tacos de secours parce que sinon j'allais tomber dans le coma. Ça allait être dommage quand même. Hein. Si t'as besoin de bouffe, y'a pas de soucis, t'inquiète. Ah, mais t'inquiète justement, là. Il m'a donné déjà. Il fallait que je mange. Le plus dur, il était là. Ah, quelqu'un reçoit un appel, je reconnais ça. Super on est occupé, y'a un feu! Y'a un feu! Coup des EVSL. Vous pouvez me donner votre courte? C'est sûr, vous êtes en VSL H. Je vous ai juste demandé votre courte. Ouais, c'est vrai qu'il faut que tu vois que je pense à manger, tu vois, donc bon. Ah, ça commence à se calmer. Alors peut-être. Après, faut jamais s'arrêter parce qu'à tout moment ça reprend. Ah oui. Alors, faut refaire la recharge bientôt. Même du feu. Merci. Cody, si vous pouvez venir sur
Hop. Et on recharge la vidéo. Oula, et voilà, ça reprend. Ah là, j'ai arrêté 2 secondes, ça reprend. Ah, mais c'est sacré, hein. Ça reprend plus vite que ça repart. Ouais, c'est ça. C'est Hatchbat. Du coup, pour ces traits contenant la propagation du feu de la VL. Voilà. Ah. C'est sûr. Quand même un peu sur le côté, parce que j'ai l'impression que ça vient un peu vers nous là, donc comme ça. Yes. Calmer un peu ici pour que ça évite. Parce que vu qu'on arrosait pas mal de l'autre côté, c'est d'arroser ici autour, comme ça. Se calmer un peu déjà de se propager partout. Sans trop s'approcher pour éviter de finir comme un barbecue. Alors comment se passe ta soirée? Bah écoute, grave bien. Moi j'adore. Je m'éclate, hein. Franchement, moi je m'éclate, hein. Je sais pas si vous, ça vous éclate de me voir, mais... Enfin, du moins de voir ça d'un côté de pointe civile, hein. On a fait pas mal de choses ce soir. Ah, franchement. Franchement, j'ai jamais fait autant de choses en une soirée. Oh, ça se calme. Oh. Ça commence à... Vous avez commencé à pouvoir progresser un peu sur la VL. Bien continuer aux alentours. Écoute, comme tout à l'heure, trois quarts face, paf. Et les roues. On est un peu partout, Kazoo. Pas que ça reprenne. Bah, regarde plutôt que je vais faire, la... je vais faire le tour pour check quand même, que ça ne va pas. Faire le tour quand même partout, comme ça, on est sûr que ça reprend pas. Bon, bah, il a l'air plutôt clean là, je pense. C'est pas mal. On va continuer à arroser. On va attendre que. Ouais, le chef d'agré arrive. Encore un petit peu, donc même pas encore arroser. Hein. Que le chef d'agré arrive pour ouvrir le capot, débrancher la batterie et ouvrir le coffre. Yes. Je t'arrose, voiture. T'as besoin de nettoyage, ça me quitte là. Elle est bien rouillée cette voiture. Ouais. On arrive à la fin là. Ok, nickel. Parfait. Hop. On va commencer à se rapprocher du capot. Ouais, on peut se rapprocher un peu. Alors, bien refroidir le capot avant de l'ouvrir. Comment bien asperger le capot au fond, refroidir. Tiens, je t'asperge le capot. De proche, t'inquiète pas. Place pour ouvrir. Ouvrir. Arrête d'asperger 2 minutes, le temps joue. Vas-y, vas-y. Voilà. Ouais. Hop. Allez. Hop, c'est bon, c'est ouvert. Parfait. Vas-y, Rose. Tiens, je t'arrose, moteur. Relever pour bien mettre d'en haut. Ouais. Bien asperger de façon dynamique sur tout le moteur. Ah, le véhicule aurait une grosse douche hein, après avoir cramé dans le feu. Voilà. Il a le droit à une bonne grosse douche. Ouais, c'est la carrosserie, elle a pris un peu de tarif, hein, mais légèrement. Légèrement. Ouais. C'est le feu, hein, ça détruit tout sauf son passage, pour le coup. Ah, bah le feu. C'est pas souvent même notre ami. Hein. L'eau, on l'aime bien, mais le feu, par contre, moins. Je vais checker l'arrière. Je vais débrancher la batterie, ouais. Hop, c'est refroidi. Ouais, si elle est encore en état. Ouais, si elle est encore en état. Je prépare au cas où qu'il y a un feu qui reparte. Allez. Même chose ici pour l'arrière, donc bien refroidir le coffre avant. Hop. Bon. Tac. Refroidis bien correctement. Un pec pour l'ouvrir. Go. Hop. C'est bon, c'est ouvert. Hop. Ok, allez. Je te prends dessus là. Hop. Voilà. Tu ne rebrûleras jamais, toi. Pour être sûr que ça ne reprenne pas, parce que quand ça reprend, c'est encore pire.
Ouais. Reviens une première fois. Reviens une fois après. Attends pour pas grand chose. Ça, je sens que lorsqu'il va jeter un truc, ça va repartir en ZP ou pas. C'est good pour au niveau du mariage, je pense. Ah, ils arrivent à la fin là. Voilà. Nickel. Tac. Ok. Je vais remettre le nouveau bidon au cas où que ça reparte, si jamais. Qu'il soit fin d'appel. Ok. Ouais, du coup, bah, noyage effectué. Fin de l'extraction, noyage effectué. Commençons surveillance. Ok, on reste en surveillance une petite minute histoire de. La mettre un peu plus près de toi la lance, t'inquiète. Et de la garder. Ouais. Et c'est pas un individu que tu braques, t'inquiète. Sortez-moi. Alors, un petit avis sur. Bah, c'était grave kiffant, hein. J'ai fait gaffe de pas me cramer quand même avec le feu. Il faut. Tous les skis. Attention. Oui. Ah. Regarde la VL et prends la lance dans la main. Dans ta main. Comme ça. Ouais, mets-la. Okay. Mets-la en tranquille, en safe. Très comme ça. Ouais, voilà. Okay, nickel. Et abaisse-toi, parce que sinon la lance t'a capté. Ah oui, ouais, c'est normal. Ok, photo, souvenir. Nickel. Parfait. Nickel. Hop, la range. Tac, je vais pas mettre un coup de tuyau. Nickel, parfait. On va pouvoir aller voir les sangliers. Il y avait des sangliers ? Je les ai pas vus. Il y avait des sangliers à côté là-bas, dans la maison. Bon. Heureusement qu'ils sont pas venus ici quand même. Hein. Oui, oui, bah oui, c'est clair. Ça aurait été un peu problématique. Pouf, eh, j'ai chaud là d'un coup. Hein. Pouf. Ah ouais, c'est... Bah, tu peux retirer la RS, tu vois, le masque. Ouais, je vais enlever un peu pour respirer parce que là. Ouais, tu regardes, tu déclipses. Ah non, pas comme ça du coup. Il manque un truc. Ouais, Non, mais t'inquiète. Mets-le au sol, mets-le au sol. Non, mais t'inquiète, je l'enlèverai après. Mais t'inquiète, je le ramasse. Non, mais en fait, c'est... il manque un truc. De quoi ? Bah, ton avis. Oscar de. Prête ? Oui, mais regarde le casque. Donc, ton nom sont marqués sur la carte. J'ai oublié ce détail. Tu respires déjà mieux ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu plus simple. Du coup, Eric, pas foutu, les Oscars, vous mais y'avait une personne ici ? Non, c'est les sangliers. Ah, c'est les sangliers. Ah, oui, d'accord. J'avais mal vu de loin. J'avais mal vu de loin. Je regarde, c'est à quatre pattes, c'est des gros sangliers. Ouais, mais c'est parce que j'ai mal vu d'où loin, c'est à cause de la visière était un peu avec la buée là. Avec le feu. Là, du coup, j'ai en train de les perfuser parce qu'avec l'explosion, j'ai envie de les baisser un peu. Ouais. En mettre des médicaments et puis. On m'a pas prévenu aussi que c'était des sangliers. Tu sais, tu vois, quand ils pour les emmener chez un veto. Bah ça va, j'ai rattrapé un peu le truc. Ouais, je les ai placés sous oxygène. On a des masques spéciaux du coup pour les Amis. Smur, attention, relève SAV01, effectue son transport sur le CA de Jameson. Ah bah, putain, ils sont gros. Bah, sanglier, c'est jamais maigre, hein. Souvent quand même. Oui, c'est pas des petits marcassins. Après, sur VICC, c'est quand même des gros. Des grosses personnes. Non, vraiment, ils mangent bien ici. Ah, je pense pas à faire avec des petits lapins. Ah, c'est ça. Pauvre lapin après. C'est un quartier de gens un peu spéciaux ici, c'est des gens spéciaux qui habitent ici. Il y a mon cousin qui habite ici. Hein. Oui, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Ouais. C'est quelque chose d'évident. Voilà, donc secours animalier. Ça fait partie de la Sino, du coup, que tu voulais voir tout à l'heure. Ouais, du coup, mais je me dis. Ça en fait partie alors, c'est pas. D'accord. Ça marche. La plus grande tâche, mais. Ça peut être pompier vétérinaire, du coup. Bah, les vétérinaires et on a aussi les risques animaliers donc ils vont aller capturer avec des cages etc tout ce qui est c'est serpents peut être domestique et bon j'en pensais quoi chat qui se serait comme ça vous plaît plus les gens amènent bon je pense que le live de 12 heures durera légèrement plus je pense intervenir ça fait 4 à part 3 heures serpents et réguleur qu'il est je pense que ça un peu plus tard plus en plus de gens d'accord je vois voilà et donc après il peut les transporter au niveau d'une clinique vétérinaire et ouais. Il y a un soin qui peut être fait sur les animaux. Alors celui-là il ira plutôt au zoo hein, parce que j'ai toujours pas de pouf. Ah. Je peux poser ça. Fait de la viande. Oui. Sinon s'il y a quelqu'un qui est chaud ouais, pour faire du sauce, hein, c'est bon de sauce de sanglier. Oui bon, peut-être d'abord les mettre à l'arrière de la VL.
peut-être un bon début. C'est ça. Oh, lui, il est encore en vie, nickel. Hop. Ah, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est bon. On arrive juste à temps. On va aller se déséquiper comme ça, on va être un peu plus. J'ai repris les tuyaux, ouais. C'est bon. Okay. Et juste la lance. Voilà. Du coup, tu vas pouvoir récupérer ton sac dans le sas. Yes. Magnifique sas. Voilà. Oh, là, bah, le feu qui était pas prévu de base, bizarrement, il a été prévu. Mais pour le coup, il était vraiment. Pourquoi je suis là vraiment le meilleur jour, apparemment. Parce qu'apparemment, il n'y en a pas un tous les jours. On se garde pas. Bah, pas tout le temps. On en a souvent, mais. Ouais. Pour vos infos, ils ont passage en bout en bout, un effectif avant qu'on ait un petit plus. Magnifique. Science exacte au niveau des feux. Ouais. Récupérer le truc. Où est mon sac? Il est là? Ouais, on va voir. Ah, là on respire. Là tout de suite je respire, dis donc. Ah oui, mais c'est mieux. Hein. Je remets le casque à l'intérieur du coup. Hop. Ouais, oui, tu peux le remettre dedans du coup. Nickel. Ah là ça fait du bien, respire. Ouais, t'es en train de replier le tuyau du coup qui est encore de FPT. Oups. On va pouvoir retirer le sas du coup. On va emballer nos magnifiques barrières en plastique. Ouais. Mais récupérer ton sac. Ouais, sur la 80, ouais, j'aime pas capter. Parce qu'en fait, c'est la radio qui l'a configuré. Et en fait, j'ai dû appuyer sur 3 à un moment pour une raison. Et du coup, j'étais sur la 80. La sécurité forestière. Mais c'était même pas pour, j'ai même pas capté. Parce que je vais t'aider, le veto à porter. Parce qu'en fait, c'est la radio qui l'a configuré. Donc la principale, l'autre. Bon, moi je vais essayer de mettre 5, 6, 7. Yes, pas de soucis. Si, fait. Hop. On va aller donner un coup de mon collègue, du coup. Ouais, bah quand même. Oh, de travailler en équipe. Je sais même pas quand c'est que je me suis mis dessus, je vous avoue, avec tout ce qui s'est passé. J'ai dû m'expliquer qu'à un moment le 3. Peu pas de questions. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Du coup. Bonjour. Bonjour. Trois beaux sangliers. Trois beaux sangliers ici. Ah, je l'avais pas vu le troisième, il était caché derrière. Besoin d'aide pour porter? Des beaux sangliers, monsieur. Ouais, je vais avoir besoin d'aide. On va déjà sortir les deux là qui sont encore vivants. Et on va prendre les plans de genre que j'ai mis à côté. On s'y prend comment pour porter la bête? Comme on peut. On évite de tirer par les pattes, je suppose. Oui, surtout qu'il a la patte arrière gauche cassée, lui. Donc on essaie de le prendre par en dessous. Allez. J'ai une bonne prise. Vous êtes prêts? Ouais, pareil, mon côté j'ai une bonne prise. Allez, attention pour lever. Lever. Et on va le mettre dans mon véhicule le premier. Ah bah c'est un bon pépère hein. Il mange bien, dis donc. Ça pèse bien. Oh putain, suspension. Oui, c'est comme quand il y a les os qui montent. Du coup, tu te prends. Ouais, j'ai juste un besoin après du poignet sanglier pour la référence. Pas de soucis, je vous donne ça après à peu près. Ouais, pas de soucis. Tu peux pour le deuxième, bah. J'ai de la place dans le véhicule pour le mort si vous voulez. Ah bah ouais, on peut mettre. On voudra bien, ouais. Ouais. On va déjà mettre le deuxième dans le véhicule. Il sera surchargé. Oui. C'est ça. Hop. Tac. Ouais. De mon côté. Caporal. Ah, c'est bon, j'ai une bonne prise là, c'est bon, j'ai. En côté aussi, je suis prêt. Alors, je t'avoue, je comprenais pas trop. J'entendais VCR, après L ou M, j'entendais pas à la fin. Hop, allez, attention pour lever. Et... lever. Ah, lui aussi, il a bien mangé, dis donc. Ça fait les bras, hein. Après un bon incendie, ça réveille. Hein. C'est ça. Hop, nickel. Tac. Je fous les bouteilles de à l'arrière aussi. On appelle. Bah, je prends vite la paix. Eh, Anto, j'ai eu le droit à faire un feu. Eh, t'as pas le seum encore plus? Définissant de. C'est un truc qui peut avoir le seum. De là. Mais la trousse aussi. C'est. Ouais. Continue VSAV01. Je vous écoute. Parfait. Faire l'intervention pour VSAV01 de nous. On pourra juste. Aider monsieur. Garde forestier à mettre le dernier sanglier. Ouais. Allez. Celui-là, okay. Malheureusement, il est Delta. Hein. Ah. Allez, attention pour lever. Allez. Lever. Hop. Tac, allez. Hop. Attention à l'arbre. Hop. Hop.
Hop, allez. Allez. Nickel. Tac. Voilà. Bon, j'ai regardé pour le poids. Il faudrait poids, le sexe, si on va donner des, le, la définition. Les pauvres, il y en a un, deux, qui est mort. Ah bah là, c'est bien triste. Ah, t'as pas de bol, en tout cas. Tu l'avais fait la journée porte ouverte, en tout cas. Ça arrive. Ouais, après, c'est les aléas de la vie. Hein. Alors. Déjà, y'en a au moins 2 sur 3 qui s'en sortent, écoute. Oui, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est mieux que 0. Alors, le numéro 1, on va prendre celui de gauche. Alors, que je regarde. Ça m'a l'air d'être une femelle. Ouais, c'est ça, c'est une femelle. Ouais, moi je suis content en vrai, on est loin au feu, on a fait de la moto, on a fait du VSAV, on a fait du grimpe aussi. Moi je suis mort une fois je me suis blessé, une fois ça s'est bien passé. Niveau des références pour les blessures, on est sur premier coup d'œil de votre part. Déjà on a une patte cassée, arrière gauche. Et en bonus on a des sangliers, c'est pas merveilleux. Putain, on est déjà à 15 757 vues sur la chaîne Twitch. Putain, on a passé les 15 000 il y a pas si longtemps. Pas mal à moucher, ça fout quand même assez vite les vues. Comment ça va? Je pas vous dire. Moi je sais pas que vous appréciez, je vais faire un sondage pour voir un peu votre avis. Vétérinaire de garde. Tu comptes partir à quelle heure si tu sais à peu près ou pas? Moi j'ai pas d'heure, honnêtement, enfin. Quoi? Bon, honnêtement, ça va. Quoi? Je peux venir, je peux rester jusqu'à la tempête. Sinon, parle pas, oui. Oui, pardon, excuse-moi. Je disais, jusqu'à... je peux aller jusqu'à la tempête si jamais. Pas de soucis. Okay. Pas de soucis. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de mieux. Excuse-moi, on parlait dans ma tête en même temps. Pas de soucis. On me posait une question, tu vois. Essayer de répondre. C'est ouais, faux, mais je trouve une excuse qui passe, d'accord. Celui-là. Là où il y a, en fait, c'est... Non, peut-être pas qu'on va rencontrer mon pompier, je dis pas que je vais y aller parce qu'il y a beaucoup de trucs et que voilà. Mais voilà. Hop. Donc le premier, numéro de référencement 4401. Pour le traçage. Ça c'est pour les dossiers, mais s'il y a besoin des nouvelles. Il reste 3 minutes à peu près. Bah, on va arriver à la fin du live 12h. Hein. Et qui va être allongé du coup, pour ceux qui sont intéressés. On continuera là jusqu'à que ça finisse. Le live 12h va être en live 12h légèrement plus. Voilà. Oula, tu te mets dans le véhicule toi carrément, attention quand même. Hein. Le véhicule? Ouais, je sais pas, je te mets dans le véhicule. Doucement quand même. Je pense qu'on va pouvoir. Allez, on va décrocher le SPT. Allez. Vous êtes disponible. C'est ça. Sans pelle, ces tenues rouges. Ah, c'est merde. C'est pas trop beau, ça. Tu sais que les grades sur les épaules, c'est pratique. Ouais, ouais. Parce qu'on a en feu, en général, on avait du mal avant à savoir qui est qui. Je crois que nous voyait bien. Oui, alors oui, celle-ci, on les voit moins que les anciennes. Oh, on va monter sur un live. Fluo, si on va jusqu'à la tempête, ça sera un live de 14h. Pour une grande différence, quand même. Ah bon, c'est pas. Oh, les deux sont sympas, ouais. Oh. Allez, je vais à l'arrière, à la place enfant. Nickel. Hop et hop. Attends, on a changé de conducteur, hein, n'empêche. C'est quoi? Tout à l'heure c'était un peu. C'était de la Vegas qui conduisait, maintenant c'est toi. Ah, pour venir sur l'intervention, c'était toi? Ouais, c'était moi. C'est une effectue. J'ai même pas fait attention. Honnêtement, j'ai pas fait attention. On ne s'occupe pas trop vite, tranquille. Oh, c'est serré là quand même. On attend des éventuelles interventions. Ouais. Ça marche. Mais ici c'est un peu. Là si tu prends à. Mais prends à gauche du coup. Ouais, c'est quoi ces panneaux qu'il y a? Il y a un panneau à droite, à gauche. À droite, c'est sympa, ça. Non, oui, mais non, parce qu'après on va faire la première route. Ça me perturbe, il y a 50 panneaux là, droite, gauche, haut, bas. Et alors ici, ouais. C'est un peu serré quand même. Comme véhicule, ouais. Peu adapté. Passe. Bon, après ça va, c'est pas comme la moto quoi. C'est quoi, hein? Ah, la largeur, pas vrai, enfin, pas qu'on voit pas. Non, mais par rapport à ce qu'on a fait avec ce qu'on a fait tout à l'heure en moto, ah là. Oui, après, moto, c'est, que... c'est un peu différent parce qu'en soi, on peut prendre tout ce qui est trottoir et tout parce qu'on est rapide mobile et voilà. Ouais. En faisant attention, évidemment, mais. Oui, bah attention au cas de bouquet de voiture ou quoi que ce soit, évidemment. Après, un peu comme t'as vu au niveau du rond-point Victoria. Ouais. Je sais pas si t'as vu un peu, mais on est passé à contresens dans le rond-point, tu vois.
Oui, si, bah, j'ai entendu sur la radio disant tu peux passer à contresens hein, si tu veux. C'est parce qu'en fait en SAMU 3SM, donc tout ce qui est médical, on peut passer, on peut prendre les contresens, etc. En fait. D'accord. Parce que le but c'est d'arriver le plus vite ou de passer le plus vite en fait. Parce qu'on est vraiment les. C'est les urgentistes quoi, donc c'est, ça arrive vite et encore plus vite que les services d'urgence. Après, si on passe avec un FPT à contresens, c'est un peu dangereux quoi. Ouais. Le FPT fait ta masse aussi et voilà. Faut savoir aussi le déplacer quoi. Voilà. 4, 3. Et moi je 2, pense qu'à 30 je 1. Vais y aller. Parce que je vais ça fait 12 heures. Ouais, ouais, la même. Je dorme un peu, fatigué. Oh la feignasse. Elle dort tout le temps là. Fin de service de la tuyauterie, regarde à tous ces bonnes femmes. Ah, si ça t'a plu depuis le début, c'est déjà bien. Ouais. Ah, mais moi je me suis éclaté, écoute. Hein, moi franchement, je parle pas beaucoup, certes, mais t'inquiète pas que dans le fond. Je m'éclate. Tant mieux, c'est la principale. C'était l'objectif qu'on voulait atteindre, c'est justement la personne qui gagne profite. Ah bah moi je m'éclate, hein, t'inquiète pas pour ça. On est d'accord, tu préfères ça à une voiture. Oui, franchement, ouais, oui. C'était ça où on offrait une voiture, donc voilà. Ah GG, moi je l'ai fait. Ça fait 12 heures que je suis en live. Je vais enlever le truc. Hein. Quelque chose qui a jamais été fait, donc c'est chouette. Ah bah moi je m'éclate, hein, franchement. Tant mieux, c'est... Ça serait bien que ça soit côté police, mais ça après c'est pas moi qui décide. Après police, c'est en soi c'est différent parce qu'en soi côté police il y a tout le côté armement et ouais c'est légalement c'est compliqué. Quoi. Ouais bah et ouais. Nous, en soi tant que t'es encadré on peut le faire parce que c'est. Non mais moi tu sais que tu veux savoir un truc. Moi je me suis arrivé, je veux garder ma tenue civile, là je vais avoir peut-être un gilet, tu sais, je m'attendais pas que j'ai les tenues et tout. Oh, non. Si on le fait à fond, jusqu'au bout. On met toutes les tenues et on. Voilà, on le fait. Bon, je reverrai toujours ma tête quand j'ai ouvert la tablette, hein, vraiment. Et BAM tous les boutons. Je pourrais faire de la musique ouais. Presque dessus, hein, si chaque bouton était une note de musique, quoi. Ah oui, mais il faut bien qu'on se sépare sur différentes portes. Hein. Non mais moi c'est dans le fond après ouais c'est pratique comme ça tu dois dire un truc à un pas tu vas sur privé bam bam tu vois. Clairement. C'est dans le fond c'est pratique c'est changer tout le temps quoi. On appuie sur un bouton et voilà quoi. Plus facile que de retaper à chaque fois les fréquences, de les connaître par cœur, de. Beaucoup de blabla pour pas grand chose. GG Anto. C'est clair c'est plus simple. Ouais. Ouais. Et Ouais, du coup, si j'ai bien compris, le live ira jusqu'à 23h30 à peu près. Le gros de ce qu'on sort assez souvent. Une spécialisation que t'as pas montré. Oh, normalement. Je suis choqué. Et c'est tout. Et après, cette spécialisation-là, c'est vraiment très, 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 très ah oui. Technique. C'est la NRDC, c'est tous les risques nucléaires, bactériologiques, chimiques. Ouais. Et ça, c'est vraiment. C'est pas simple. Je peux te rassurer, Patouleski, ça fait 4 mois et quelques que je suis dans le S10, je l'ai jamais vu, d'accord. Ça marche, ouais. À part porte ouverte. Voilà, ça sort pas tant que ça, après ça sort parfois, mais c'est vraiment sur des cas très très spécifiques. Des manœuvres. Oui, ou des manœuvres, mais mais c'est technique, c'est des procédures, c'est beaucoup. Ouais, je vois. Beaucoup d'équipement aussi. Beaucoup de tenue. Couleur de tenue veut dire quelque chose, enfin bref, c'est... Ouais, je vois. C'est plus compliqué. Et oui, sinon, t'as à peu près tout montré. On t'a pas montré le 3SM. Ouais. Parce qu'il y avait du SAMU et que autant sortir le SAMU si. C'est quand même beaucoup plus. En général, ça fait plus rêver le SAMU. Ouais. Mais sinon, t'as fait du dragon. Ah, moi, franchement, moi, je m'éclate. Hein. Même déjà, ce que j'ai fait, ça me suffit amplement. Nautique aussi, quand t'as pas montré. Après Nautique, j'avais fait le tour au truc déjà. Parce que en soi, c'est des bateaux. Hein, ouais, après, j'avais quand même fait le tour. On m'avait emmené, on avait fait un tour dans l'eau. On était allé voir la sortie là. Comment elle s'appelle en bas là. Le truc là. Atlantide, ouais, voilà. On était allé là-bas, on était passé par le truc. Donc, ouais, on avait quand même un peu vu. En fait, la dernière fois. Ça t'avait bien plu. Ouais, c'était intéressant. Mais tu sais que la dernière fois, j'ai eu le seum. C'est qu'il n'y avait plus de sapeurs-pompiers, du coup c'était police qui m'envoyait les inters. Et à un moment, je vais sur port de Costa del Mar. Donc j'arrive sur destination sur le point qu'ils m'avaient mis, je vois rien. Je les rappelle, je leur demande de mettre le point à jour. Le point, ils le mettaient dans l'eau. Donc je regarde dans l'eau et je vois le mec. Donc je dis à ça, ok, très bien. Mais je savais pas qu'on avait des tenues plongeantes en but.
Du coup, je suis allé en ambu, j'ai vu que j'avais tout plongé, je reviens sur place, le mec était plus là. Ah. Ça avait un peu le seum, tu vois, c'était ma première inter dans l'eau, tu vois, en embûche, tu vois, j'étais tout content, tu vois. Et j'arrive, le mec était plus là. Oh, t'aurais vu ma tête se décomposer. Parce qu'en embûche, oui, c'est pas tous les jours que tu vois des inter dans. Tu t'en as tout plongé. Un soir, quand on n'est pas là, autant que vous les preniez, les tout plongés, comme ça, voilà. Mais... Moi, je t'avoue que tu sais, je savais même pas qu'on en avait, donc je t'avoue que de base. C'est pas tout, c'est pas si vieux que ça non plus. Hein, après. Ça donc, fait quand même une bonne année. Hein. Ah bon? Oui. Oui, moi, que ça fasse un moment, mais bon, c'est vrai que c'est pas des trucs que je vois réellement. Hein. J'ai jamais réellement vu d'ambulancier avec une tenue plongée, quoi, tu vois. Oui, clairement. C'est... Bah, après, c'est en général, c'est oui, c'est les pompiers qui interviennent dans l'eau. Quoi. Non, je suis en. Plus... En gros, j'ai fait la journée porte ouverte qu'il y avait eu il y a quelques. Il y a un mois ou deux. Et en fait, quand tu mets ton adresse mail, tu pouvais gagner une journée avec. Du coup, c'est ce que j'ai eu. Ouais. Du coup, j'ai gagné une journée avec eux. Comme ça, t'aurais eu un peu de tout. Donc, j'ai tout, j'ai fait enfin, passer un peu tout. Donc, les tenues. Les gros camions avec les cages. Ouais. Ouais, les CCF. C'est quand même vachement beau, les CCF. Ah, ouais. Mais franchement, moi, je me suis éclaté. Hein. Avec le feu là en plus, en bonus. On m'a dit, ouais, oh, le feu c'est plus compliqué que l'envoi. Et là, qu'on me parle, il y en a eu un. Quand j'ai tout police. Là pour le coup, quand on nous a dit ouais, il y avait une boule de feu, on est parti. Voilà, j'ai fait bah on y va, go. Ouais. Mais oui, c'est pas souvent. En fait, c'est pas souvent qu'on arrive à temps, surtout. Ouais, ouais. Bah, franchement, j'ai eu de la chance là, franchement. Ça, avec le peu de chance que j'avais de pouvoir le faire, je suis bien content de pouvoir l'avancer. J'étais accompagné d'une bonne personne derrière moi là. Voilà. Ça nous fait plaisir hein. Quand on voit que quelqu'un apprécie ce qu'on fait, c'est chouette. Et du coup, t'aspires aux pompiers après ou... Bah, je dis pas que j'irai parce qu'après, moi j'ai d'autres trucs. Enfin, tu sais, je pense que je serai pas beaucoup là, tu vois. Mmh. Honnêtement. Parce que là, je suis là, tu vois, et puis ces derniers temps, je viens, mais tu vois, honnêtement, je suis pas sûr que je viendrai assez souvent pour réellement, tu vois, prendre une place potentielle, tu vois. Après, c'est addictif, hein. Vraiment, hein. Ouais, après je dis pas, tu vois. Là je m'éclate, tu vois. Ça fait 3 heures que je suis avec vous. Enfin, tu vois, je m'éclate, tu vois. C'est pas le débat, tu vois. Mais je suis pas sûr que je viendrai. J'oserai venir souvent, ou tu vois ce que je veux dire. C'est plus dans après, ce sens là. Quand tu rentres dans les rangs, quand tu rentres dans les rangs, vraiment, il y a ce côté aussi où c'est vraiment. Tu fais partie de la famille vraiment à fond, quoi. Et vas-y, Bichou, je vais aller, ça va être passé. C'est aussi une ambiance. Et bon courage pour demain. Vraiment, c'est un esprit groupe qui est important. C'est les formations aussi qui rythment un peu nos. Mais pour que tu saches, Dorian, tu sais que c'est la première fois qu'ils font ça. On se sentir évoluer, sentir que les formations t'amènent à chaque fois quelque chose, c'est ça qui fait que c'est dynamique en fait. Mm-hmm. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fait qu'en général, ça accroche pour la grosse majorité des gens qui viennent en plus. Ouais. Non, moi franchement je suis grave content, tu vois, d'être venu, tu vois, et d'avoir gagné, tu vois, au final. En plus t'es deuxième gagnant, c'est ça qui est fort. Ah oui, ouais. Je suis le deuxième, ouais. Le deuxième tirage, parce que le premier, bon. Ouais, apparemment le premier il a pas répondu. Bah après quoi, comme j'ai dit, comme j'avais dit à Lepa, franchement, heureusement qu'il m'a envoyé un message sur l'application Discord, parce que les mails... Mais... Je t'avoue que... En fait... Et quand j'en ai discuté avec le pas, ouais. Qu'on a dit, qu'il me dit ouais, enfin on a fait le deuxième tirage, et quand j'ai vu que c'était toi, c'est moi qui ai fait les deux tirages. Ouais. Quand j'ai vu que c'était toi, j'ai fait bah écoute, le plus simple c'est que tu lui envoies directement par là, c'est j'ai le contact, je te l'envoie et voilà quoi, c'est du coup, comme ça, c'est fait... Et plus vite que t'écrire un mail et machin, c'est... Ah ouais, non mais en plus il s'est passé une belle, un beau truc là avec le pas, il m'a envoyé le message. Ah. À propos de quoi? Là, il s'en rappelle pas. En gros, au début, j'ai reçu un message et je croyais que c'était genre, tu sais, que j'avais fait. Ah oui. Tu sais, que j'étais passé dans les candidatures, tu sais, que j'étais accepté. Genre, et au début, je pensais que c'était ça. Donc, à ça, je lui réponds. Non, mais en fait, vous trompez de personne. Et du coup, ils sortent mon numéro et en fait, enfin, ils ont mon mail et je me dis. Et c'est là qu'ils sortent mon mail que je me dis, ah, mais c'est ça. Mais tu sais, au début, ouais, je pensais que j'avais passé genre les recrutements, tu sais, qui genre ils te disaient genre ok, c'est bien pour les recrutements, du coup on demande de voir des bouts et pour venir, tu vois ce que je veux dire. Ça m'a bien fait rire. Première classe qui fait le recrutement maintenant. Ah, après, je connaissais pas le grade. Non, mais SDTI aussi, mais c'est vrai que bon,
Au début, toi, j'ai compris ça, c'est pour ça que je comprenais pas. Et après, quand j'ai compris, quand il y a eu le mail, en fait, je sais pas pourquoi ça m'a fait un déclic en fait. Elle a dit ton mail, c'est pas ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait un déclic. Et oui. Mais ouais, bonne soirée à toi, ouais. Ouais, pour le coup, c'est. En plus, quand ça se passe bien, c'est. Ah ouais, non, mais bon. Pour nous, c'est quand tout se passe sans accro et que c'est bonne ambiance, c'est toujours plus sympathique. Ouais, oh, franchement, pour une première, franchement, c'était très bien. Franchement. Une première de prendre, c'est un civil, genre, et lui c'est la chance de voir ça, enfin franchement, c'est plutôt très bien géré. Hein. Pour que l'état-major ne s'inquiète même pas, c'est que. Ouais. C'est qu'ils ont eu... savaient très bien que ça allait bien se passer globalement. Ah ouais, ouais. Ouais. Pour qu'ils nous accordent ce genre de truc, c'est que. C'est qu'ils ils ont confiance et. Ouais. Quand on a dit les noms, ça n'a pas été. Les noms, c'est-à-dire. Les noms des deux tirages, parce qu'on a fait les deux tirages en même temps en fait. Ah oui, quand vous avez dit les personnes, du coup, ouais, il a on a dit, on a tel nom en premier tirage, tel nom en deuxième tirage. Plus, pas inquiété. Merci pour ton Seb, Anto. Puis moi j'avais pas d'inquiétude avec ça, je sais bien que ça se passe bien en général, qu'il n'y a pas de soucis. Oh bah moi, tu sais, je parle toi pas trop, c'est vrai, mais tu vois, j'apprécie énormément, tu vois. Tu vois, certes, j'ai pas trop parlé non plus, tu vois, parce que tu vois, je découpe, j'avais pas trop envie de déranger, tu vois, quand il y avait tout le monde qui parlait un peu autour, tu vois. Hmm. Ouais, mais ça je découvrais, mais. Tu profites aussi. Oh, moi j'ai grave profité. Tout... Hein. Toujours en parlant qu'on profite le plus. Ah ouais, non, franchement. Franchement, dans le fond, je suis content, tu vois, que la date a été décalée plusieurs fois, tu vois. Dans le fond. Et ça a fait monter un peu de hype aussi. Ouais, non, mais même sans ça, parce que c'est surtout que dans le sens, j'en parle souvent, mais. Le fait que j'ai mon nouveau cerveau, c'est beaucoup plus appréciable de. Tu vois. Normal. Tu vois, c'est sans être, tu vois, sans vouloir forcer, mais c'est beaucoup plus appréciable de, tu vois, de pouvoir apprécier pleinement, quoi. Ouais. alors que quand t'es pour là, entre guillemets, en te forçant, quoi. Parce que tu sais que quand j'ai eu l'arrêt, quand il m'a dit que c'était moi le deuxième gamin, j'ai hésité à donner ma place à quelqu'un, hein, au début, hein. Dis-toi, hein. Ouais. Mais je me suis dit non, c'est quand même une chance et tout, ouais. Je me suis dit vas-y, j'espère qu'il n'y aura pas de problème et tout, hein. Tu vois, tu l'aurais regretté, je pense, si t'avais donné ta place. Ah oui, mais je l'aurais très fortement regretté, tu vois. Et tu vois, le fond, et dans le fond, que ça a décalé les dates, parce que la première fois, c'est moi qui ai eu un souci au dernier moment, et puis après, ça a été Lille. Bah, au final, ça a fait qu'au final, ça arrive au bon moment, quoi. Okay. Donc, et puis, samedi, pour nous, c'était compliqué. Oui, bah, je sais pourquoi, du coup. La soirée d'hier a été mouvementée. J'ai entendu, j'ai capté pourquoi. Ce qui est pareil, le mariage. Voilà. Le truc, c'est que vu que c'est mes beaux-parents. Non, mais t'inquiète, hein. T'allais pas ne pas aller au mariage de mes beaux-parents. Ah, mais t'avais raison, mais t'inquiète, je ne t'en veux pas, hein. T'as pas besoin de te défendre normalement. Puis en soi. Je préférais que tu décales, tu vois, enfin, à demain au pire, que. Qu'on le fasse, tu vois, et que ça soit peut-être que je voyais juste pas grand-chose, tu vois, honnêtement, tu vois. L'effectif qui t'a en que 10 ce soir, tu vois. Ouais. Un effectif qu'on a choisi aussi pour justement être sûr qu'on avait un peu la liberté aussi d'aller. Ouais, que. Plein de choses et justement être tranquille. Et lui aussi, bah, vu que c'est mon mari, donc le fils ouais, de c'est... la mariée, bah... ouais, c'est Fly, je crois. Voilà, ouais, c'est ça. Je reconnais, donc, compliqué, quoi. Ouais, après, oui, j'en doute. Puis et tout l'état-major était invité, et aussi, c'est. Voilà, c'est. On peut pas. L'état-major ne peut pas dire, bah, on ne va pas au mariage du capitaine. Oui, bah, c'est normal. Franchement, c'est. Voilà, c'est normal, quoi. Puis un mariage, il y en a qu'une fois dans une. Oui, c'est une journée, tu peux en faire techniquement autant de fois. Donc, tu vois, c'est marqué un mariage, si tu le refais, déjà ça a moins d'impact et puis que je te trouve marié, quoi. Honnêtement, c'est... enfin. À part renouveler les vœux de mariage. Bon. Ouais, voilà. Mais bon, ça a moins d'impact, quoi. Sauf quand ça fait 50 ans, mais. C'est ça. Ah bah, c'est clair. Mais du coup, GG hein, pour le mariage de TR. Bon, écoute, ils sont bien heureux. Je vais refaire deux beaux packs de bière. De bière bien, en plus, hein. Très très bien. Attention, évidemment. C'est important de le préciser. Les gens en Belgique, celles-là, elles sont dures à trouver. Mais alors, en plus, hein, en import, c'est compliqué. Ouais, ça arrive. Mais bon. Si elle leur dégotait ça. Si t'as réussi, c'est le principal. Hein. Oui, oui. Ça fait plaisir. De soirée appréciable. Tiens, il y a un point assis justement à gauche, ça me rappelle la fois où j'avais justement aidé un mec dans l'eau. Peut-être que le mec il sera là pour ça, peut-être. Visiblement, à mon avis, ça fait un petit temps que c'est passé. À mon avis,
Pour gagner les dépanneurs sur place et que ça va faire un moment. Oui. Parce que souvent les dépanneurs ils arrivent un peu, ils prennent leur temps. Hein. Bah tout à l'heure, une demi-heure qu'il a fallu quand ils arrivent. Ah là là. Et le balisage sur la route ça faisait une demi-heure. Ouais, c'est le problème. Ouais, travailleux. Si, ils ont leur. Ils ont leur bah après, ils ont pas l'autorisation de faire des excès de vitesse non plus, tu vois. Donc... Et puis ils sont tout le temps débordés. Tout le temps du ah travail. Mais dépanneur c'est un métier, si tu veux pas te faire chier tu vas là-bas et dès qu'il y a du monde ça casse tout le temps hein. Clairement. C'est sûr et certain. Coucou. Je pense qu'on peut tout doucement retourner. Ouais, se diriger vers le CSP. Après ouais on avait quoi comme obtenu. Et peut-être moi je. Par là mais bon j'aime bien les chemins. je vois, t'inquiète et pas. Les chemins en terre là, 50 km/h on connaît bien. Et en fait j'ai regardé pour le CCF CCFS en gros tu sais vu qu'il est très long je me dis si jamais un jour j'arrive à être tu sais instructeur module faire un tu sais un truc comme toi un truc complémentaire et en fait j'ai regardé et on va continuer de rouler par contre. Oui, non, mais non. Sinon, on n'est pas arrivé à destination. Bah, en gros, quand tu. Par exemple, quand t'as 5 km/h, le FPT il tourne ou quoi. Oui, oui, mais en fait, le truc il tourne pas. Nul. Nul, je sais bien. C'est pas ouf. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi pour le coup. Vas-y, découvre. Hésite pas à cliquer sur le truc Théo là dans les points de chat. L'arbre il est dans le rocher là. Ah ouais. Ah oui. Oui. J'avais jamais vu ça, oui. Moi non plus. Moi non plus. T'as, c'est parce que t'en parles que je l'ai vu, tu vois. Ah, vous voyez, on est passé par là. Non, je suis pas SP, je suis en, entre guillemets en journée avec les SP. Grâce à un truc. Avec toute cette soirée. Voilà. On retrouvait certaines. Si t'en as des belles, tu peux les envoyer aussi. Ah ouais, j'en ai des belles. Non, mais. Ah oui. C'est moi qui te l'offre. Je me doute bien que tu l'as envoyé du coup. En fait, c'est quand il y a eu la journée porte ouverte et du coup j'ai pu faire. Eh oui, bon bah il répond pas, mais il a entendu, c'est sûr. Deux oui, oui. Pardon hein, tu me parlais, excuse-moi. Tu me disais, non, pardon, mais, vas-y. Si t'as des belles photos, tu sais me les envoyer aussi pour qu'on fasse un beau. Ah bah je vais tout envoyer ce que j'ai fait, comme ça. Tu te débrouilles après. Comme ça, on fera un petit post. Bon, je t'envoie toutes les photos que j'ai. T'es gâté. J'en ai pris, t'inquiète. J'ai pas arrêté. Oui, bah nous aussi on a pris quelques unes. Bah moi j'attendrai de voir les quelques photos qu'on a prises de moi. Ah bah ça. Ah mais ça c'est vrai. Ah bah écoute. On est là pour ça hein, c'est. Ah on m'avait pas dit que vous preniez des photos et tout. Mais c'est parce qu'on est. En fait on est des sites. Donc c'est un rôle chez nous en gros qui gère la communication du SDIS. D'accord. Donc on gère justement l'image du SDIS et vérifier que tout se passe bien et que l'image soit toujours bonne, l'image que les données soient bonnes. Ouais. On ne met pas une censure non plus, hein. Faut pas... oui, on n'est pas des grands méchants, hein, mais on vérifie que tout va bien et que tout se passe bien. Et justement, c'est à nous aussi de prendre les photos pour alimenter le Twitter. Ouais. Et c'est un peu notre rôle tout ça. Bah, Tonnerre, j'irai mettre quelques photos moi sur l'application Twitter. Je me doute bien. Avec le arrobas comme ça si jamais. Non, bah je te arrobas aussi, ne t'inquiète. Un petit arrobas. Je te promets ouais, pas de le faire aujourd'hui parce même. Que. J'ai eu la chance de passer une journée avec les sapeurs-pompiers. En voici quelques photos. Voilà. Buzz, 15 000 likes. Oh. Surtout dans l'autre sens, je pense que ça va amener beaucoup aussi. Ouais. Je pense que dans notre sens à nous, computer il marche bien pour le coup. En base 10. Il est assez planté le truc. Il a tout planté. Parce que je vais devoir consommer quelque chose à boire. Parce que la soif se fait grande. La faim également. Putain, le truc il a planté frère. C'est pour ça que je disais que le son il avait bugué. Le truc il a planté frère. Bref. Opticien. C'est bon, l'image va s'enlever bientôt, okay. N'inquiétez pas. Ouais, un petit bug avec la scène. Heureusement que j'ai le retour là sur des Twitch et qu'il n'y a pas trop de latence. Ça me fait toujours rire les gens qui roulent sur leur jante. Oui, c'est. Logique. Encore une fois, un truc normal, surveille si c'est évident.
Ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi, ça. C'est normal. Ouais. Et... comme on dit, pose pas de questions, t'auras pas de réponse, on me dit souvent. Je l'ai. Tu l'as pas ? Encore un truc normal. Attends, non, je l'ai pas en vrai. Voilà, je suis déçu. La déception. Telle île de pétrole à droite, j'y vais tellement plus maintenant là-bas. Là. Voilà, ça fait longtemps que j'y vais plus là-bas. Donc. Ah, bah moi non plus. Hein. Depuis que le pétrole, allez, ça fait un ou deux ans que c'est plus rentable, j'y vais pas. Ouais. C'est vraiment. Ça me semble que c'était 1 million le trajet. Il y a 2 ans, c'était très rentable, mais. Ouais. Ah, mais c'était à l'époque. Non, c'est à l'époque où j'ai mis mon premier pied sur l'île. Ouais. Franchement. C'est que le trajet il rapportait 1 million et 1 million, 1 million, 1 million, quoi. C'était bien. Rapportait plus que ça à une époque. Oh, encore plus ouais. Une époque où. C'est à l'époque de Pouf Pétrole, etc. Hein. Tout cette entreprise. J'ai jamais utilisé Pouf Pétrole perso. J'ai jamais utilisé non plus, mais à cette époque-là, il. Ah, Portier, je le connais bien lui. Je l'appelle Monsieur Porte. Porte. Bah, Portier, Porte. FPTC, ouais. On se présente, c'est bien. Ouais. Je le connais bien, je le taquine un peu, il le sait très bien. Allez, les petits stationnements, ouais. Petite manœuvre. Attention, on va juger la manœuvre. Oh, bah, ça, c'est plus, heureusement, ça va qu'à de la marche devant. J'espère. Oh, pas le oui. Karma. Pouvoir faire partie de notre FC. Là, attention, quelle erreur j'ai faite ? Ne pas mettre le warning. Ah. Oh là là. Attends, ça, je vais le remettre dans le véhicule. Hop. Il va nous chipper la LDV. Oui, il y avait de nouveau les balances. Attends, je vais le mettre dans le véhicule. Attends, hop. Attends, je vais mettre les équipements sur lui. Voilà. Mmh. Ouais, parce que bon, c'est mignon, mais bon, je vais pas la garder tout le temps quand même. Je vais pas manger tout le temps. Ouais. T'as une voiture ou pas ? Elle est là-bas. Ouais, elle est là-bas, voiture. Yeah. T'inquiète, appelle la fourrière, on va leur accompagner. Oh, c'est gentil ça. Amener en belle voiture pour pouvoir flex sur une. Cette tenue. Là, c'est dommage que je vais devoir l'abandonner, je m'en lasserai pas. Hein. Eh bien, celle-là. Hein. Tu veux une photo avec celle-là ? Ah, bah, moi, presque, je vais faire une photo avec toutes les tenues comme ça. Attends. Ah. Bim. Voilà. Voilà. Franchement, il y a de quoi faire là. Toutes les tenues. Oh ouais, la crête, ça, oui. Non, première classe, vous ne porterez pas une crête avec votre tenue. Non, bah non. Non, mais si, ça rend bien. C'est... Ah, c'est votre tenue. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est cette tenue. Ah, mais là, t'es tout nu. Attends, me rhabille 2 secondes, voilà. Ça, c'est la vie des pompiers, ça. C'est tout le temps se rhabiller, tout le temps, tout le temps. Regarde à vous. Bim. Voilà. Ça, j'ai plein de photos. Ah, écoute, faut bien mettre des, faut bien s'en rappeler parce que franchement, ça me fait triste d'abandonner ces tenues là, elles sont trop bien. Ouais. Bah écoute, gagne un prochain concours hein, et tu pourras revenir faire la même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, il est tout nu. Bonjour Caporal. Pas bien. On aime bien les gens. Vraiment au CSP, ils aiment bien être tout nu apparemment. C'est décidé. Ah, mince. celle-là, je garde. T'inquiète, pas de soucis. vous restez tous en service. Non, on va y aller. Non, je vais y aller aussi. Enfin, moi je vais y aller en tout cas. Ils sont gentils, ils me ramènent. Ça c'est beau. On va ramener monsieur. Vu le prix du gazole, vous prenez votre. Ah le mec quoi. Le rat. Vous partez ah le rat quoi. Ça c'est le rat des SP quoi. Les trois. Mais. C'est pas si il va les séparer. Pourquoi je. Là ça. C'est bon, il a fait des bêtises vite. On a dit. Vas-y, bah du Lloyd. Oh merde. Ouais, je bien travaillé, ça va. C'est mieux. Et peut-être que je sortirai plusieurs vidéos. Bah du coup, monsieur Patrick, vous pouvez remettre du coup tout. Mettez tout dans le sac, hein. Enfin, mettez tout dans le sac et mettez tout dedans. Ouais, hop, on récupère ma tenue. Et ça, là, bim. J'ai rien oublié. Si. Haha, je sais ce que j'ai oublié. Ça va, ça va. Bah ouais, c'est un peu important de la rendre. Ouais, même si elle m'a perdu quand je l'ai ouverte. Ah, normalement, j'ai plus rien. Ça va, je peux garder les bouteilles d'eau et les tacos que tu m'as donné ? Oui, ça, je m'en fous. T'es pas un rat. T'as marqué sapeur-pompier dessus. Bon, ça va. Et tout ça ce qui est marqué sapeur-pompier que je veux récupérer, moi. Okay. Bah, normalement, je t'ai donné la tablette et tout, t'as tout le long sac normalement. Donc, tu vérifies. Yes. On fait ça comme ça, on en parle plus. Hop. Allez, go. Moi, je récupérerai mon sac dans le véhicule. Bah, merci, hein. Montez avec nous, Caporal, si vous voulez. Donc, ouais, apparemment, il a pas envie. Ouais, tour gratuit en VL Sergent, bon, ça se refuse pas. Ah, franchement, bah, je suis pas déçu d'avoir fait ça. Franchement, c'est
c'était génial. Bah c'est sûr. Je suis jaloux de partir. On peut pas le refaire. Pas possible. Mais prochain concours, on met ça en jeu. Tentez-le. Ouais, franchement. Si prochain concours, je regagne encore, c'est honteux. Hein. C'est... Ah ouais, là. Ils vont hurler à la tricherie. Parce que j'aurais été curieux de savoir déjà, il y avait combien de joueurs au total pour la première. Je sais pas 29, un truc comme ça. Ah ouais, sur 29. Ah ouais, d'accord. Je crois que je suis le deuxième tirage. Ouais. Ah bah, donc en soi, il y a, en gros, il y a 3% de chance à peu près. Ouais. T'inquiète, je connais une personne qui a déjà le seum qui que je pense à pour le actuel. Ah. C'est monsieur comment? Monsieur Ranez. Tu es Ranez? Ouais. Sinon, la prochaine fois, vous passez le. Vous essayez le recrutement? Ouais, mais comme j'ai dit, après, je suis pas sûr d'être assez là et tout, donc je sais pas, c'est une réflexion à avoir de mon côté. Après, une fois que le virus est passé, on y reste en général. Ouais, après, je verrai dans le temps, je me laisse quelques temps pour réfléchir. Déjà, j'ai eu la chance de faire ça, je vais pas me plaindre, quoi. Oui. Parce que personne n'a eu cette chance encore, donc bon. Vous avez passé une bonne soirée. C'est ça. C'est le plus important. Ah, moi, je me suis éclaté, franchement. D'ailleurs, je ferai un débrief de cette soirée. Une note très positive, je mets un 10 sur 10. Ah, c'est incroyable. Bon, par contre, je mets pas un 10 sur 10 au conducteur de moto, hein, de tout à l'heure. Caporal, je pense que votre formation est à revoir. Je mets un 9 sur 10 parce que, bon, on a eu le droit à un petit tour sur nous-mêmes. Donc... Je veux pas dire le caporal, il a été formé par le cerveau. Ouais. Ouf, oh, ça balance. Oh, ça balance, moi je dis. Aussi, caporal. Oui. Wesh. J'ai fort après. Normal, regarde pas derrière toi, surtout, hein. Oui, d'accord. On en sort ça, c'est mieux. Non, ouais, c'est parfait. Ça. Eh ben, bonne soirée, bonne fin de soirée. Bah écoute, merci à toi et puis franchement, enfin merci. Voilà. Ah oui, bah, il c'est qui a fait le truc, enfin qui a organisé techniquement ça, enfin qui avait prévu de faire ça. Nous deux en soi. Après, on a vu avec l'état-major ce qui était possible. Voilà. On, bah tu lui remercieras de ma part. Soi, l'idée était. Oui, bah y a pas de souci. Je ferai un petit message ce soir pour remercier. D'ailleurs, je t'enverrai toutes les photos que j'ai, puis je mettrai sur l'application Twitter quelques photos, voilà, pour vous remercier, évidemment. Impeccable. Monsieur Valois. Ah oui, monsieur Valois. Ça va de Vegas, ça va le pas. Oui, ça on va. Mais non, c'est pas ouais, il y a d'autres personnes qui auraient eu le faire. T'as sur 29. Salut. Je l'ai eu quand même. Oui, 29 personnes. On pointe pas les gens du doigt, monsieur Valois. Oh, on me pointe pas. Hein. Éducation. Ouais. Ouais, parfait, bah, bonne soirée. Bon, toi, bah, bonne soirée à vous aussi, et puis bon courage. Hein. Bonne soirée, bon courage. A une prochaine dans un VSAV peut-être. Oui, bon, ouais, bonjour. Ah, monsieur Valois. Ah, oh là là. Bonjour, monsieur les pompiers. Bon, vous en avez pensé quoi? Parce que ça vous a plu? Voilà, 3h30. Ça a été légèrement plus long, parce que moi, on m'avait dit 22h30, 23h. Je vais prendre cette voiture là, parce que du coup, j'ai mon sac dedans. Et moi, je me suis éclaté. Donc là, pour ceux qui veulent. Ça va, je vais mettre les photos, toutes les photos que j'ai prises de la soirée, je vais les mettre sur Discord et je vais mettre un tweet arrobotant le 10 d'A4L. Voilà, pour les remercier pour cette soirée. De fou. J'espère que vous, ça vous a plu parce qu'en vrai, même pour vous, ça vous a fait voir autre chose.